Bonsoir à tous mes amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel unboxing. Et c'est le dernier de cette grande série de 6 unboxings que vous avez vu à travers toutes ces semaines, à travers la chaîne. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si l'onglet communauté vous intéresse bien à chaque fois, si les stories sont cool, si jamais vous likez ça, bah super, merci, c'est cool, n'hésitez pas à le faire. Et aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit qui vient du site internet Jardin Loisir. Il y a quelques mois en arrière, c'était un produit qui a été très utile et qui malheureusement n'était pas dans ma réserve et je trouvais ça assez chiant. Le site internet Jardin Loisir, c'est un site internet où vous avez un certain nombre d'équipements de jardin pour les tondeuses à gazon, pour plein de choses. Voilà, oh il est beau, il est de toute beauté. Regardez-moi ça, cette magnificence. On est sur un réservoir. Tac, ça c'est le bec verseur. Non, pas un réservoir, vous savez le nom. Un jerrycan, mesdames et messieurs. Un jerrycan en alu qui pèse son poids. Attendez, le carton me casse les couilles. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu peur. Un beau jerrycan en métal, vert, style armé, bien cool. Inflammable, danger de mort, etc. pour la nature, ce qui est normal. Mais voilà, beau jerrycan de bloc. Je crois que c'est du 20 ou 25 litres, je ne sais plus exactement. 20 litres. 20 litres, 20 litres, c'est écrit de l'autre côté, ici. Voilà. Donc, l'achat d'un beau jerrycan qui sera utile pour garder un minimum de réserve de carburant. Et j'ai acheté également avec un bec verseur. Parce que bon, c'est sympa si tu as ton jerrycan. Voilà, c'est très cool. Ça te permet de garder ton essence, ton carburant où tu veux. Le seul inconvénient, c'est que bah, entre ton réservoir et le jerrycan, bah, y a un trou. Et que bah il faut faire le lien, donc je vous fais pas de dessin. Hop là, désolé. Mais vous avez toujours besoin de ceci. Donc voilà, du beau jerrycan. Un petit tube en plastique avec un filtre à l'intérieur, il semblerait. Ouais, pour les impuretés, j'imagine. Et là, on a ça. Oh là là, c'est de toute beauté. Tout en métal vert exactement. Ah oui, la partie du joint. Donc là, on a une petite zone de joint. Il faut bien faire pression. Donc je crois que c'est comme ça. Tac, et après comme ça. Ok. Donc normalement j'ai vu. Tac. On le met dans le bon sens. Alors par contre, dans quel sens on le met? Ça c'est la question, ça. Parce que moi j'ai le réservoir là. Ah, et je pense plutôt comme ça. Hop là, tac. On fait bien pression. Voilà. Bien à fond. Bien en position. Et après, on met l'aspect joint plastique. Et regardez-moi ça, le beau jerrycan pour remplir la voiture. Donc voilà, un jerrycan achetable en ligne. Livraison point relais, sur ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous lâcher. En avoir 2, 3, 4, 5 en réserve. Et puis voilà, quoi, vous êtes pareil pour tenir aux prochaines grèves et tout ça. Donc voilà, c'est aussi, je ferai au cas où peut-être une petite vidéo en annexe pour vous montrer où l'acheter, de quelle manière. Mais bon, tu vas sur le site internet Jardin Loisir. Tu tapes le mot jerrycan et tu tombes sur ça. Donc voilà. Mais j'en ferai quand même peut-être une vidéo en parallèle. Surtout, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Au cas où des choses qui soient à partager à vos amis, à votre famille, sur tout ça. N'hésitez surtout pas. Hop là. Attendez, est-ce que c'est moi qui fais de la merde? Ouais, il y a des chances. Voilà, tac. Et après, on remet la goupille. Et ça ne bouge pas. Et ouais, et après c'est transportable tranquillement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, surtout à vous abonner, à partager à vos amis, à la famille, aux collègues. Et puis bah, si vous m'avez découvert, et ben, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. C'est grave cool de votre part. J'espère que le reste des vidéos pourront vous plaire sur la chaîne. On a énormément de choses, du sac d'évacuation, en passant par le décès, en allant jusqu'au test de bouffe, des plats lyophilisés, stérilisés, des conserves, des expériences, des couteaux, des armes à feu, du stand de tir. Il y a tellement de trucs, putain! Allez, ciao, bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!